Bonjour tout le monde, bonjour à tous et merci d'être là. Salut Eric. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu, mais indispensable. On a décidé de vous parler Asperger. Donc pas autisme, pas ADHD, qu'est-ce que je dis? ADHD, TDAH, mais Asperger, c'est-à-dire Poutine. Einstein, Elon Amos, Musk, Steve entre autres. Jobs. Voilà, par exemple. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas une épidémie, mais on va vous expliquer pourquoi il y en a de plus en plus, et vous allez tout comprendre, et vous allez peut-être comprendre aussi quoi faire. Donc là, ce qu'on vous fait, c'est, on va vous expliquer tout ça pour que vous ayez des moyens qui soient pas aussi, je dirais, désespérant que ce qu'un psychiatre peut vous proposer. À notre sens, la psychiatrie n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Mais donc, vous allez voir qu'Eric, il va vous donner des explications depuis la médecine chinoise. Moi, je vais vous donner des explications de mon point de vue de thérapeute et de mère, parce que j'en ai à la maison. Et j'ai dû trouver des solutions aussi. Mais donc, il y a beaucoup de choses à faire qui sauvent la vie de beaucoup de parents et d'enfants d'ailleurs, peu importe l'âge, hein. Et donc, vous allez comprendre à quel point tout est logique. Donc, Eric va d'abord vous expliquer, depuis la médecine chinoise, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça. Alors oui, le syndrome d'Asperger, on tenait absolument à vous en parler parce que voilà, toi Cécile, ça te touche de près, moi aussi, j'ai quelqu'un qui est très proche de moi et qui est touché aussi par ce syndrome qui fait partie, le syndrome d'Asperger fait partie des syndromes autistiques, même si c'est pas de l'autisme, il fait partie de ces syndromes-là. En médecine chinoise, vous savez bien qu'on n'étiquette pas de cette manière-là les syndromes, c'est-à-dire que l'autisme, le Asperger, je dis n'importe quoi, une grippe, une sclérose en plaques, le cancer, tout ça, c'est des étiquettes de médecine occidentale. Nous, on voit pas du tout ça de cette façon-là en médecine chinoise. Nous, on voit ça depuis le côté déséquilibre énergétique. Hein, j'y reviens toujours, mais voilà, chacun d'entre nous, on a des déséquilibres énergétiques divers et variés qui touchent tel ou tel organe. Et c'est ça qui crée des symptômes, des signes que en médecine occidentale on regroupe qu'on met dans des cases, qu'on regroupe dans des colonnes, qu'on range bien et qu'on met avec une belle étiquette. Ça, c'est une grippe. Ça, c'est un syndrome Asperger. Ça, c'est un cancer du foie. Ça, c'est une pneumonie, etc. Voilà. Mais nous, on voit pas du tout les choses de cette manière-là. Si on réfléchit par rapport à tout ce qui est décrit en médecine occidentale comme étant le syndrome Asperger, je me suis vraiment penché sur la question et ça regroupe en fait plusieurs déséquilibres énergétiques de la médecine chinoise, en particulier qui touchent l'énergie des reins, ce qui n'est pas étonnant parce que l'énergie des reins en médecine chinoise, c'est la réserve d'énergie vitale, mais c'est aussi les moelles et le cerveau. Vu que dans le syndrome d'Asperger, il y a un déséquilibre au niveau de la connexion et de la transmission des informations entre les différentes parties du cerveau, voilà, on est complètement là-dedans quand on est dans un déséquilibre au niveau de l'énergie des reins. Alors après, ça peut être une déficience de yin des reins. Ça donne des personnes qui sont plus agitées ou qu'on va dire un peu hyperactives. La déficience de yang des reins va donner des gens qui vont être beaucoup plus apathiques, beaucoup plus, comment dire, refermés sur elles-mêmes. Mais voilà, en général, l'énergie des reins est déséquilibrée chez une personne qui a un syndrome d'Asperger. Les deux autres organes qui peuvent... Les trois autres organes qui peuvent être perturbés et mis en cause, c'est les poumons. Les poumons parce que c'est la peau, parce que c'est le rapport avec le monde extérieur. Et voilà, vous savez que voilà, dans le cas d'un syndrome Asperger, la relation sociale,
et la relation physique peuvent être des choses qui peuvent être difficiles pour la Oui. personne. Donc, peut y avoir, voilà, un déséquilibre de l'énergie des poumons, ce qui occasionne aussi, à côté de ça, des troubles au niveau du système immunitaire. D'ailleurs, on retrouve ça beaucoup. C'est assez commun à tous les syndromes de déséquilibre énergétique de l'Asperger. Après, comme organe qui peut être touché, il y a la rate. Hein, la rate, c'est l'énergie de la rate. Sa fonction, c'est, elle a plusieurs fonctions. Hein, moi, là, je cible ce qui concerne l'Asperger, mais l'énergie de la rate, elle fait monter l'énergie. Donc, elle fait monter l'énergie jusqu'au cerveau. On voit ça, par exemple, chez les personnes vieillissantes qui commencent à avoir des troubles de la concentration, des pertes de mémoire. Ça peut être dû à une déficience d'énergie de la rate qui a du mal à faire monter l'énergie jusqu'au cerveau. Dans le syndrome d'Asperger, on retrouve ça parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir, voilà, des problèmes c'est principalement ça d'ailleurs le syndrome d'Asperger, hein. C'est des problèmes d'échange, de connexion au niveau du cerveau qui fait que les informations passent mal entre les différentes parties du cerveau. Donc ça Entre peut être les dû à un reins. problème d'énergie des reins, ça peut être dû à une déficience d'énergie de la rate, et enfin ça peut être dû à une perturbation de l'énergie du cœur. Le cœur, c'est toute la sphère émotionnelle, la sphère mentale. Ouais. On parle en médecine chinoise des ce qu'on appelle les orifices purs du cœur. Hein, on a neuf classiquement, on a neuf orifices. C'est ce qui est en communication avec l'extérieur, les oreilles, les narines, la bouche, l'anus, le méa urinaire. Voilà, on a tous ces orifices là. Il y en a neuf. Et il y en a un autre qu'on appelle l'orifice pur du cœur, qui est pas vraiment un trou entre guillemets, vers l'extérieur, mais c'est comme ça qu'on dit en médecine chinoise, c'est l'orifice pur du cœur. Eh bien, c'est l'ouverture du cerveau, du crâne, vers l'énergie du ciel. Vous savez, en médecine chinoise, l'homme est un intermédiaire entre l'énergie de la terre. On a cette ouverture dans la plante des pieds qui capte l'énergie de la terre, et on a une autre ouverture au niveau du sommet du crâne qui capte l'énergie du ciel. Dans une autre classification, on appelle ça le premier et le septième chakra. Mais voilà, c'est cette ouverture-là. Et ben, en médecine chinoise, on appelle ça l'orifice pur du cœur. C'est l'énergie du cœur qui gère cette partie-là. Et elle peut être encombrée, cet orifice peut être encombré et perturber justement la circulation de l'énergie au niveau du cerveau et au niveau de la connexion avec l'énergie du ciel. D'où peut-être des difficultés d'incarnation, des difficultés. On a d'autres mots en médecine chinoise, mais je vais essayer de parler avec des mots qui sont compréhensibles. Mais ça revient à ça, c'est-à-dire que l'âme, l'esprit, le shen, en médecine chinoise, on appelle ça comme ça, a du mal à s'incarner dans la matière, dans le corps, parce que l'orifice pur du cœur est encombré. Ça aussi, ça peut être une cause, un déséquilibre énergétique qui cause le syndrome d'Asperger. Pour finir, après ces quatre déséquilibres énergétiques de ces quatre organes, il y a quand même une cause qu'on retrouve dans pratiquement tous les cas, qui est commune donc aux reins, poumons, rate et cœur. C'est ce qu'on appelle l'accumulation de tan, TAN. Le tan en médecine chinoise, c'est très répandu. C'est ce qu'on pourrait dire. On pourrait appeler ça en français. C'est pas forcément une super traduction, mais c'est ce qu'on appelle les glaires, les mucosités, le mucus. Hein, il peut y en avoir partout dans le corps. Il peut y en avoir dans les poumons. Il peut y en avoir dans l'estomac. Il peut y en avoir dans le système digestif. Peut y en avoir dans l'utérus. Ça sort sous forme de leucorrhée. Il peut y en avoir dans les intestins. Il peut y en avoir dans les méridiens. Dans le corps, ça peut se présenter sous forme de kyste, par exemple. Il peut y en avoir à peu près partout, et peut y en avoir aussi accumulé au niveau du cerveau. Et là, ça empêche, encore une fois, les informations de circuler correctement. Ça amène de la confusion mentale. Ça peut amener jusqu'à des pertes de connaissances dans des cas extrêmes d'accumulation de TAN au niveau du cerveau. Il y a beaucoup d'AVC
qui peuvent être causées par de l'accumulation de TAN au niveau du cerveau. C'est vraiment quelque chose auquel on fait énormément attention en médecine chinoise, l'accumulation de TAN. Et je regrette de vous dire que l'accumulation de TAN, dans la majeure partie des cas, est due à des déséquilibres de la rate et de l'estomac, et donc à des déséquilibres alimentaires. Hein, voilà, c'est souvent comme ça qu'on accumule du TAN, parce que on s'alimente pas correctement, c'est pas ce qu'il faut à notre organisme, et ça crée des mucosités. La cause la plus connue au niveau alimentaire, par exemple, c'est les produits laitiers qui créent forcément l'accumulation de mucosités. Et tout ça pour en revenir au syndrome d'Asperger. Les syndromes d'Asperger, moi, j'en connais, j'en ai autour de moi. En général, malheureusement, Ils sont hyper ils ont particuliers. du TAN et ils s'alimentent n'importe comment. Et on a beau leur dire, voilà, quelque part, c'est malheureusement le TAN qui appelle le TAN. C'est-à-dire que plus ils sont en déficience d'énergie de la rate, plus ils ont du TAN, plus ils ont du TAN, plus ils sont attirés par les aliments qu'il leur faut pas. Malheureusement. Et c'est tellement difficile. Et moi, c'est pas du tout par ce biais-là que je commence, parce que c'est impossible. On peut leur faire peut-être comprendre, parce qu'en général, c'est des gens extrêmement Non, intelligents, mais terrible. ils ont la compréhension. Mais par contre, ils changeront pas, parce qu'ils peuvent pas. C'est Non. impossible. Donc moi, je préfère agir par le biais énergétique, par les méridiens, par les compléments alimentaires, par le plan vibratoire, etc. Et qui petit à petit va les décrasser de leur TAN pour qu'ils soient amenés à manger autre chose, plutôt que d'essayer de les faire changer au niveau alimentaire. C'est, je sais pas ce que t'en Non, penses, mais les non, mais CAFG autour de moi, c'est impossible. je donne souvent l'exemple de ce petit autiste dont je me suis occupée, qui, bon, c'est la case au-dessus de l'Asperger, qui parlait à peine, il bégayait, mais il était, on avait réussi déjà à lui. Enfin, quand il était bébé, sa mère Ouais. avait pu sans problème le manipuler par rapport à ça et lui éliminer ce qu'il fallait pas qu'il touche. Et le gamin, il pouvait pas toucher ni aux produits laitiers, ni au blé, évidemment, tout ce qui était gluten. Il faisait une réaction. Enfin bon, il avait Bah oui, et il c'est tout ce qu'il avait faut. le stock en candidose, évidemment. Et du coup, moi, je devais l'aider à trouver le moyen de le faire manger des trucs anti-candida, etc. Et le gamin, donc, il venait souvent à la maison parce que j'avais une piscine très froide. Et on était en Californie et les petits autistes adorent le froid. Là où ils sont vraiment contents, c'est Ah dans oui, une c'est vrai. piscine super froide. Tu sais, ils aiment vachement le froid. Ouais. Et le gamin, en fait, les autistes, bon, donc c'est un peu pareil pour les Asperger, tu les touches pas facilement. Ils n'aiment pas le contact physique. Et des fois, tu arrives à leur appliquer des huiles au niveau des pieds. C'est quand tu es content, quand tu leur amènes au niveau des pieds. Donc, moi, je devais lui régulièrement lui bosser sur sa rate pour que, en lui bossant sur sa rate et ses reins, petit à petit, la régulation se fasse et qu'on puisse plus facilement l'aider à absorber quelque chose qui lui fasse du bien et en plus, on devait baisser son niveau de toxicité parce qu'il avait beaucoup de métaux lourds, mais il avait déjà fait plein de chélations. Mais déjà, alors, en étant petit, c'était facile. Mais la dernière fois que je l'ai vu, maintenant, mon Dieu, quand j'y pense, il doit avoir 20 ans maintenant. Bref, la dernière fois que je l'ai vu, il avait une dizaine d'années. Et sa mère me racontait qu'à l'école, il allait piquer les goûters dans les cartables des autres gamins. Parce qu'évidemment, lui, il avait des trucs, tu sais, qui... Et ouais, et comme... il allait bouffer les sneakers et les Mars Voilà des autres. toutes Ah les la merdes que tu peux vache. trouver dans des cartables de petits Américains. Voilà. Ah ouais, mais Et bon, sauf à qu'à 10 20 ans, ans, j'ai... ça devait Et ben oui, l'appeler. tu penses bien. Mais donc, alors à chaque fois, elle s'en rendait compte tout de suite parce que dès qu'il avait touché à ça, il était complètement ailleurs, complètement coupé. Ouais. Alors que quand on arrivait à faire attention, enfin, qu'on arrivait à lui faire garder un peu la route, il avait le contact avec les yeux et ses problèmes d'élocution étaient considérablement améliorés parce qu'il bégayait tout le temps. Mais il était mignon comme tout, c'était un vrai petit nounours. Il avait pas, il était très souriant et ça, c'est sa mère qui l'a sauvé la vie parce qu'elle a tout de suite compris. Enfin, elle a Ouais. dépensé une fortune avec un spécialiste et c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses parce que mon fils à ce moment-là avait lui-même des gros problèmes cognitifs suite à un accident
Et bon, j'ai compris après coup qu'il n'y avait pas que ça, mais du coup, il a fallu que j'utilise ce que j'ai utilisé pour Gabe, pour m'occuper de mon fils. Et donc, j'ai dû faire aussi beaucoup de recherches et j'ai profité des recherches qu'avait faites la mère de ce petit. Et donc, elle m'a dirigée sur des trucs hyper intéressants. Et c'est clair que c'est des choses qui sont malheureusement pas du tout abordées. Par les psychiatres qui sont malheureusement les seuls qui ont plus ou moins autorité en la matière, sauf ici aux États-Unis, où on a des spécialistes de l'autisme, mais qui utilisent du coup des moyens qui sont pas du tout médicamenteux, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une grosse charge toxique dans l'histoire. Enfin, quand je dis pas médicamenteux, le problème c'est ça, c'est que là, j'ai le bouquin d'un d'eux, là, dont je me sers beaucoup. Je sais pas si bon, on voit que je m'en sers. Hein, Ouais, je m'en vois. sers. Et lui, il a fait le lien avec l'autisme, le TDAH, l'asthme et les allergies. Et l'Asperger rentre dans cette catégorie. Et donc lui, par exemple, donc il a compris qu'il y avait une grosse ce que tu appelles ton leucane, donc c'est quelque chose que on a compris venait de l'inflammation. Hein, c'était l'inflammation et les sécrétions mucosiques sont interconnectées. D'ailleurs, quand tu fais de l'hydrothérapie et que si tu as la chance d'avoir un praticien qui te dit ce qu'il a vu dans son évacuation, il peut repérer tout ton mucus. Bien Et plus tu as sûr. du mucus, plus ça veut dire que ton ventre est inflammé, Bien tu vois. sûr. Et ton ventre est inflammé vient avec ce qu'on appelle le leaky gut, donc l'intestin hyperperméable. Mais quand on a compris récemment que quand tu avais ce type d'inflammation-là et de porosité, tu l'as aussi au niveau du Bien cerveau. sûr, puisqu'ils Et ils sont donc, interconnectés les deux. et bien sûr, exactement. Et donc, c'est tous des enfants qui, évidemment, ne sont absolument pas en mesure de contrôler leur dégoût, leur anxiété, leur toc, leur tout ce qui est compulsif chez eux, leur mauvaise opinion d'eux-mêmes. Ils ont une très mauvaise vision Complètement, d'eux-mêmes. Ils se tout à rendent fait. compte de toute façon qu'ils sont différents. Bien sûr. Ils comprennent des choses que les autres ne comprennent pas. Oui. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas communiquer là-dessus. C'est difficile pour eux. Voilà. Mais à côté de ça, ils font des réactions allergiques, ils ont une vulnérabilité génétique dont on ne parle jamais. D'accord, ça se transmet pas génétiquement, mais quand on regarde, on trouve que le père a des problèmes similaires. En général, c'est transmis par le père, hein, c'est pas par la mère. Par contre, la mère, il y a des grandes chances que la mère, à la naissance du gamin, elle ait eu une bonne charge candidosique. Le candida là-dedans, c'est beaucoup parce que ça entretient l'inflammation du ventre qui entretient ce TAN dont tu as parlé et cette déficience de rate. Parce que c'est la déficience de rate qui est à l'origine, enfin à l'origine, qui s'interconnecte avec les C'est problèmes de ça. candidose. Ah oui. OK? Bah, Quand tu veux plus traiter de elle la est candidose, déficiente, plus lui il a de la place pour s'installer. Il eh ben faudrait que voilà, l'énergie de la rate exactement. remonte. Si l'énergie de la rate remontait suffisamment, elle mettrait le candidat dehors. Et Exactement. donc Et si forcément, l'énergie c'est de rate, le. voilà. Et le problème, c'est que tant que ta rate n'est pas remontée, t'as pas d'absorption. C'est Et ça. en même temps, tant que tu as une super mauvaise image de toi et que tu penses que tu es une erreur de la nature, t'as pas d'absorption non plus. Donc, on peut pas Et vraiment puis ça aide, bosser et puis sur. ça aide pas ta rate à remonter dans ces cas-là, hein, c'est Eh clair. ben voilà. Mais du coup, tu es obligé d'utiliser tous les jours quelque chose qui va bosser sur la rate. Et C'est c'est pour ça. ça que l'aromathérapie est quand même vachement bien. Et moi, j'ai eu des très bons résultats juste avec des mélanges aromatiques qui étaient à la fois antifongiques, rééquilibrant de la rate, immunorégulateurs, Oui, bien sûr, et oui. qui bossaient sur le méridien du cœur et sur les reins. Il fallait aider à éliminer. Alors évidemment, quand en plus tu découvres que ces gamins-là, ils ont le paquet en termes de métaux lourds, c'est pas facile parce que bon, il faut les aider à évacuer ça, mais tu es obligé de bosser longtemps sur leur Ouais, énergie des reins et de la rate avant de commencer à faire ce genre de choses. Et c'est très difficile. Alors, c'est vrai que la plupart, enfin, je pense à la mère du petit, là dont je me suis occupée, et le gamin, il avait eu des chélations intraveineuses quand il était bébé, mais c'était une vraie
à bombe nucléaire, le gosse, tellement qu'il en avait. Mercure. Mais bon, rien de penser qu'il a dû subir ça, ça me fait mal. Mais bon, moi, mon fils, je lui fais pas ça. Hein. Mon fils, je lui fais des techniques beaucoup plus douces, mais faut encore réussir à l'avoir sous la main Oui, c'est suffisamment. ça. C'est Tu vois, ça. c'est pas facile. Mais du coup, c'est pour ça, j'avais écrit il y a longtemps, on s'est fait la réflexion avec Eric tout à l'heure, ça fait 10 ans pratiquement que je l'ai écrit ça, et je vais vous le mettre en dessous. J'avais écrit quelque chose justement parce que c'était quelque chose qui me touchait beaucoup encore à l'époque, ça continue à me toucher, mais bon, maintenant, il faut bien passer à autre chose. Et j'avais écrit à l'époque un article que j'avais appelé Autisme, candidat et toxicité. Et ça, c'est quelque chose qui vous concerne si vous avez un Asperger autour de vous ou si vous avez. Voilà. Ce que je voudrais aussi. Donc, je vous mettrai le lien en dessous. Mais ce que je voudrais absolument souligner, les Asperger, contrairement à des autistes, souffrent beaucoup de dépression. Et ils sont capables de vous faire, de le cacher, comme autant que les chiens sont capables de vous cacher qu'ils sont en train de mourir et qu'ils vont se mettre dans un coin pour disparaître. Un Asperger, il va tout faire pour ne pas vous décevoir, pour que vous soyez fiers de lui. Oui, c'est ça, bien sûr. OK? Bah, Alors qu'à il côté, a tellement hein? une mauvaise image de lui-même qu'il fait tout ce qu'il faut pour que les autres n'aient pas une mauvaise image de lui-même. Exactement. Donc Il il va essaye essayer de se montrer sous son de meilleur jour, compenser. Et ben malheureusement. voilà, il va faire tout pour compenser, Ouais. même s'il continue à souffrir comme une bête Bien de chien. sûr, bien sûr. Bah, il fait que ça, de toute façon. Il fait que ça. Il y a une souffrance énorme derrière. Et le pire, c'est que quelqu'un lui dise, tu pourrais faire un effort. Ouais. Mais ça, c'est les gens qui sont autour, parce qu'il y en a plein qui sont autour. Moi, je vois dans le cas que j'ai, voilà, il y a un de mes filleuls qui a un syndrome d'Asperger, et c'est les gens autour, même les gens de sa famille, qui lui disent ça parce que ils ont pas la compréhension. Ils le considèrent comme quelqu'un comme eux, et ils se rendent Ouais. pas compte que il est complètement différent d'eux. Il a des aptitudes que eux n'auront jamais. Mais que socialement, il est complètement différent d'eux et ils ont ni la conscience ni la compréhension de ça. Et dans le coup, ils sont, sans le vouloir, ils sont extrêmement blessants. Ils entretiennent son problème en plus. Il Ouais. l'enfonce dans sa dépression. Et c'est surtout pas en plus ça qui va l'aider. Ça va pas l'aider à faire des efforts, comme ils disent, parce que justement, le fait d'enfoncer, vous savez bien, enfoncer un dépressif dans sa dépression, ça va pas l'aider à en Il perd ses sortir. moyens, il perd encore plus ses moyens. C'est encore pire. Et C'est encore pire. le problème, c'est que avoir ce syndrome, c'est pas une maladie. Non. Ça ne se soigne pas. C'est pas un, c'est, ça va Non. jamais se soigner. Mais par contre, on peut faire en sorte qu'il le vive le mieux possible. Voilà. Voilà. On peut faire en sorte que le corps soit en meilleure santé, que le Ouais. moral soit meilleur, qu'il n'y ait plus cette dépression latente et continue. C'est des choses, voilà, que c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo, pour vous informer, pour vous dire qu'il y a des choses à faire, que ce soit au niveau digestif, au niveau image de soi-même, au niveau du moral, au niveau de la santé, à tous les niveaux. Vraiment, on peut, après, voilà, c'est des personnes qui sont câblées différemment des autres et qui sont câblées comme ça, et on ne va pas les recâbler, hein. Ça, c'est Non, pas le but. On c'est va pas foutu. soigner ça. On guérit. Ah, je dirais pas c'est foutu, je dirais que c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je veux Mais dire, c'est foutu si les on autres aussi veut. ils sont foutus parce qu'ils sont câblés d'une Ils sont autre manière. foutus. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va changer quoi que ce soit. Voilà. Et qui deviennent comme les autres, non? Non, et c'est pour ça que se dire oui, il suffit que je les mette dans une institution spécialisée qui va. Non! Parce que c'est des gens qui veulent essayer de les faire prendre sur eux pour changer. C'est pas possible. Parce que ce qui leur arrive, la façon qu'ils ont de réagir, c'est au-dessus de leur force de faire autrement. Et ça les Non, puis c'est dépasse. pas eux. Ce serait aller C'est contre leur pas eux. nature et On peut contre pas. ce qu'ils sont. Voilà. Non. 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 Donc, Mais par contre, leur offrir un mieux-être à tous les niveaux, ça, par contre, voilà. c'est eux. Exactement. Et donc, leur appliquer des huiles comme celles dont je parle. Alors, c'est vrai qu'il y a la surdose de toxines, d'inflammation, d'immunité défaillante, etc. Il y a plein de choses au niveau, effectivement, bon,
au niveau de la toxicité qui est faisable. Hein. Moi, je sais que le mien, bon, bah, je lui fais faire des cures de choses. Et c'est marrant parce qu'il y va tout seul. Donc, je ne suis pas là pour lui dire fais ci, fais ça. Il y va. Il est prêt à tellement pour se sentir mieux. Ben bien sûr, bien sûr. Mais jusqu'à un certain point, du Oui. moment, mais il est extrêmement sensible à sentir qu'il a déçu ce qu'il n'a pas eu comportement. Non, Donc, c'est. ça, j'ai beaucoup de mal Je avec son père. Hein. Mais donc, retenez-vous de leur dire, franchement, tu pourrais faire un effort ou réfléchis un tout petit peu à tes actions ou. Mais il fait que ça. Il fait que ça de réfléchir. Il fait déjà que ça. Et c'est comme ça qu'il bouffe sa rate à force de réfléchir. Justement. C'est la Ah. rumination qui fait baisser l'énergie de la rate aussi. Non, non. Les huiles, Vraiment. c'est une bonne chose. Travailler sur l'énergie des organes dont j'ai parlé aussi. Ah Tout oui. ce qui peut être fait, au niveau du crâne, en massage, au niveau des pieds, en massage, au niveau Les du abdos. ventre, en massage, toutes les zones dont on a parlé, en massage, en drainage, en détox, et petit à petit, voilà, donner des infos par rapport à l'alimentation, petit à petit, petit à petit. Et vraiment, vraiment, on peut offrir un mieux-être à ces personnes et en même temps, un mieux-être à leur entourage parce que l'entourage, en général, il en bave pour les porter. Entre ceux qui portent et ceux qui comprennent pas autour, tout le monde souffre. Mais faut pas oublier que celle de la personne qui souffre le plus, c'est la personne Ben oui. Asperger, et ça faut pas l'oublier. Ouais. Enfin bon, je Voilà. mettrai moi sous cette vidéo tout ce que moi j'utilise. Oui, Si moi ça aussi. peut aider quelqu'un. Ok. Tout ce Mais que au j'ai moins, on voulait découvert. vous donner toute cette compréhension et Voilà. toutes ces informations pour toutes les personnes que ça concerne. Et il y en a beaucoup plus que vous n'y Et il va y en pensez. avoir de plus en plus, malheureusement, parce que c'est quand même beaucoup lié à la toxicité. Et c'est vrai que, bon, on vous en parle souvent, d'à quel point la toxicité a d'impact dans ces cas-là, mais là, c'est vraiment un exemple précis. Et donc, il y a des choses que vous pouvez sans doute faire pour limiter l'accès à la toxicité, enfin, la vulnérabilité à la toxicité. Et ça commence par là. Voilà. Eh ben, bon, on attend vos commentaires. On espère que vous n'en aurez pas besoin de tout ça. Mais malheureusement, ça concerne beaucoup de monde. Surtout, faites passer, hein, à ceux Les que infos, vous pouvez aider. D'accord? Merci à tout le monde. On Merci, se voit merci. bientôt, hein. On verra bien ce qu'on va vous dire la prochaine fois. À bientôt à tous.